بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. On commence cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne si vous voulez vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur rejoindre la chaîne et faire partie des souscripteurs de la chaîne. Ça vous permet de recevoir les vidéos, de voir les vidéos, pas toutes, mais beaucoup de vidéos avant le reste des personnes abonnées à la chaîne. Donc ici, un des signes de la fin des temps qu'on a déjà traité sur ma chaîne, qui est que la terre des Arabes, Al-Jazira al-Arabiya, donc la péninsule arabique, redeviendra verte, redeviendra des pâturages et des rivières, des lacs. Et là, vous allez voir donc tout ceci, subhanallah, en vidéo. On a déjà parlé de ce sujet à plusieurs reprises sur ma chaîne. La nouveauté, c'est une mise à jour 2024. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça s'est étendu sur d'autres pays de la péninsule arabique. Donc, le hadith commence à prendre vraiment toute son ampleur. Bismillah. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. Alors ça c'est le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est un hadith donc authentique. Alors là ça se passe au sultanat donc d'Oman qui fait partie des pays de la péninsule arabique. Donc à la base, tout ça, il faut savoir que c'est un désert, subhanallah. Regardez maintenant, subhanallah, ce qui se passe dans le désert. Donc voilà, vous avez des torrents d'eau qui coulent, subhanallah, comme l'a annoncé le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc comme vous le savez, il y a eu énormément de pluies torrentielles, d'accord, dans des pays du Golfe, et juste avant, à Oman, des inondations, ils disent 2 années de pluie, subhanallah. Certains pensent que c'est dû à la manipulation, d'accord, dû à l'ingénierie. Ça, sincèrement, je sais pas, mais en tout cas, ce que je suis sûr, c'est que le hadith du prophète sallam se réalise. Regardez, subhanallah. Regardez, sur des kilomètres. Ce qu'on voit aux Émirats, c'est ce qui s'est passé aussi un peu pareil à Dubaï. Alors toute cette quantité d'eau avec la chaleur, comprenez bien que ça va aider à ce que la végétation elle pousse très rapidement. Là maintenant vous allez voir, ça se passe encore une fois au sultanat d'Oman. Regardez, on a l'impression que tu es dans un pays d'Afrique où c'est vraiment vraiment boisé, ou une forêt tropicale. Là vous allez voir, apparemment c'est une rivière donc qui est apparue à Dubaï. Là, on a plein de déserts. Hein. Il dit, regardez, l'eau, elle est claire, subhanallah. Il dit, qui pourrait croire ça?
Subhanallah, magnifique. Regarde ensuite, là j'ai l'impression que c'est aux Émirats. Alors j'ai pas voulu vous montrer les vidéos sur l'Arabie Saoudite, quand on en a montré énormément, il y en a sur ma chaîne. La majorité date de 2023. Mais voilà, il n'y a pas de doute. Vous vous rendez compte que la péninsule arabique dans son ensemble commence à redevenir verte, comme le prophète l'a annoncé. D'accord, donc encore un des signes de la fin des temps. Donc c'est un signe mineur, d'accord, qui est pas en réalité un signe aussi mineur que ça, d'accord. Je pense qu'il a son importance parce qu'il indique une sorte d'inversion, d'accord, une inversion dans le sens où ben, les terres arides redeviennent vertes, et ça indique un changement, peut-être, inshallah, un changement futur, d'accord, pour le bien de la Umma. Là, on ne sait pas quand, c'est Allah qui décide, mais faut toujours garder l'espoir en espérant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Salam à tous.